C'est notre dignité qui a été touchée, c'est notre humanisme qui a été touché. Alors il faut que nous agissions. Si nous avons été victimes de viol, il faut que les acteurs soient punis. C'est Vota, fut l'étincelle. C'est Vota qui la première en tant qu'organisation a brisé le silence, a dénoncé le viol. Elles ont compris que notre force serait d'être ensemble en tant que femmes pour revendiquer nos droits en tant que femmes. Qu'elles soient Hutu ou Tutsi, elles ont connu des situations difficiles, pas à la même échelle, pas au même degré, pas au même niveau, mais qu'à cela ne tienne, c'est toujours ça. Donc on considérait ces femmes violées comme on considère un panier de haricots ou un chat de patates douces ou une chèvre.